Voilà, on fait sur la tenue de départ. Et c'est parti pour ce départ avec un départ contre-attaque. Il y a deux départs. J'ai un 2-4-1-5-3 pour le départ. Donc attention, Arthur Ferland a validé numéro 4 dans cette épreuve. Il y a un excellent départ avec un kiff de Milo avec l'arbre du maçon. Qui décompagne le reste du peloton. En deuxième position, on retrouve donc le numéro 4 à la limite avec Arthur Ferland. Ensuite, derrière, on retrouve l'As Ishamachev avec le Titan Sporly et la Kazakh Kalimédo. Et derrière, c'est déjà beaucoup plus compliqué pour le reste des adversaires pour refaire la option. Car en tête, il y a le numéro 2 Milo avec Marco Boisson de 7 accentués son avance. Arthur Ferland avec Amélie qui tente de combler l'écart et Clark est toujours assez conséquent. Troisième position et second départ, bien sûr, toujours l'As Ishaba Sheld. Alors ils sont désormais déjà au début du dernier tournant. Et c'est toujours Marco Boisson avec les choses bien en main en scène sur le numéro 2 Milo. Autant de revenir et se retrouver maintenant de part avec le numéro 4, l'Obélite et Arthur Ferland qui a collé son regard. Il semblerait que justement le numéro 2 Lyon ait jeté son feu. Et Marc Mourasson, maintenant qui semble ne plus avoir beaucoup carburant, est-ce qu'elle va pouvoir repartir? Est-ce qu'elle a laissé respirer son cheval? La réanimation car Arthur Ferland replonge en dedans maintenant avec le numéro 4 à l'Obélite et qui va tenter donc de venir porter les escogales à l'animateur. Et les applaudissements pour